se retrouve pour une vidéo vraiment différente. Alors je te cache pas que je me suis pas mal posé la question de comment j'allais tourner cette vidéo, parce que la case du calendrier de l'Avent aujourd'hui, c'est de mettre une musique qui te donne envie de danser et de sauter dans tous les sens sur la musique. Alors évidemment, pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas mettre la musique que j'ai choisie sur YouTube. Donc je vais de mon côté aller mettre cette musique dans mes oreilles, danser, et je t'invite à faire la même chose. Je te mettrai, j'ai choisi Jump Around parce que je trouvais que c'était assez approprié, je te mettrai le lien vers la musique juste en dessous. J'essaierai de trouver une vidéo sur YouTube qui te permette d'avoir accès, sinon... J'ai aussi le lien sur Spotify, mais après, vu qu'il faut des abonnements pour Spotify, je ne suis pas sûre que tu puisses écouter la vidéo en sautant partout. Après, évidemment, si tu as une autre chanson qui te donne envie de bouger, prends-la, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste au cas où tu es en manque d'idées, tu auras juste à cliquer et on sera parti. Ok, je vais mettre ma musique et on est parti. Pas vous, mais moi ça m'a bien vidé. Franchement, en fait c'est une très bonne idée de faire ce calendrier. En même temps que vous, je suis claquée, mais bien sortie de ma tête. Et bah, franchement, c'était... je me félicite quand même de mes idées. Oui, je suis cette personne. En tous les cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me dire dans les commentaires la musique que vous avez utilisée, je serais trop curieuse. Et du coup, bah, au moment où la vidéo sortira, comme ça j'aurai vos idées et je le referai avec une de vos musiques. Ça devrait être pas mal. Mais écoutez, si ça vous a plu,
le pouce en l'air, on n'hésite pas, on s'abonne à la chaîne. Demain, on se retrouve pour un truc un peu plus calme, ok? Allez, à demain.